Pour traverser le Rio Las Veltas, il fallait que notre cheminement, notre piste, se continue de l'autre côté du torrent, très large, violent. Moi, je roulais un peu des mécaniques, je disais, mais c'est rien du tout, je vais aller vous attacher une corde de l'autre côté, je pars en crawl à toute allure. Mais le courant était si violent, j'ai cru que j'allais y passer. Et Jacques Poinsneau, qui veillait à la manœuvre, se rend compte que je suis à la limite, submergé par la violence des vagues, fait sauter quelques tours de corde. Il me donne la fraction de seconde qui me permet d'aller au fond de l'eau, de m'accrocher au fond de l'eau pour gagner 2-3 mètres et venir sur le bord, me redresser et sortir de l'eau, c'est-à-dire sortir de la violence du courant. Et il me sauve. Le lendemain, Guido reste au camp épuisé. Et c'est Jacques Poinsneau qui se porte volontaire pour passer de l'autre côté du fleuve. À son tour, il est entraîné vers le fond et se noie dans les tourbillons. Poinsneau, on le retrouvera 8 jours plus tard sur les bords du lago Viedma. Bon, bien sûr, il a été enterré là-bas. À partir de là, c'était la fin de l'expédition. C'était le drame. Et puis, chacun s'est refermé un peu sur lui-même. Puis on s'est dit, mais on ne peut pas rester comme ça. Et on dit, on continue. Alors, on a repris nos travaux de marche et de charge, etc. Ça, c'est le début du Fitzroy. On installe une tente, on monte le camp, et le mauvais temps, classique, comme tous les jours, il nous tombe sur le poil, alors avec une violence, comme on l'a. En l'espace de 10 minutes, la tente part en morceaux, complètement. Alors, terre est d'un côté et moi de l'autre, on s'est précipité sur un glacier, un talus de neige qui était à côté, et on a commencé à creuser un trou. Et au bout d'un moment, dès qu'on a été complètement dedans, on n'entendait plus de tempête, plus rien. Et on a dit, demain, on verra clair. Ça a été d'un seul coup la découverte que pour pouvoir escalader cette montagne et pour résister, eh ben, il fallait littéralement aller de terrier en terrier. On a fait 3 grottes qu'on a creusées dans la neige profondément, dans lesquelles on s'est installé, parce qu'on savait que c'était le seul moyen de pouvoir continuer avec le matériel un peu rustique que nous avions de l'époque.
ça a duré pendant des jours et des jours et des jours et des semaines. Hein. On se faisait ramasser par des coups de vent d'une violence inouïe. Je peux essayer de décrire ce que c'est que de se prendre 205 à l'heure. Mais ce qui nous apparaissait évident, c'était que si on se faisait choper par un vent comme ça en escalade, on ne bougeait pas. Ça nous est arrivé d'ailleurs. Ça nous est arrivé. Moi, j'ai mis une heure et demie à descendre 10 mètres, 15 mètres. À la fin de janvier, on a eu un semblant d'amélioration générale de temps. On s'est lancé, on était à peu près en état, Lionel et moi, mais on était assez découragés par cette lutte permanente qui durait depuis des semaines et des semaines et des semaines. Moi, j'étais peut-être un peu innocent, j'en sais rien, mais ce que j'ai dit, non, non. On a traversé de l'Europe jusqu'en bas de l'Amérique. Et à un moment donné, on était à deux doigts de flancher et de foutre le camp. J'ai dit non. Et alors, Thérèse, il dit, écoute, il va faire mauvais, c'est évident, ça arrive. On le voyait arriver du Pacifique, là-bas. Hein. Je dis, écoute, on tente le coup, hein, on se débrouillera, on s'est déjà débrouillé, on s'en est tiré, on va jusqu'au bout, voilà.